Nélus Nérius, qui est porte-parole débloqué Haïti, qui fait partie du protocole 17 octobre, qui eux-mêmes soumettent un nom là, by CARICOM, pour compléter liste 7 membres pour former conseil présidentiel. Donc, Nérius, qui avant ça dans une interview, il était accordé Caraïbes FM. Eh bien, fait qu'on ait, du moins, exprimé inquiétude par rapport au conseil présidentiel là, qui a bien pour installer dans le jour Cap Vinio pour gérer transition. Membre initiateur protocole 17 octobre, dit préoccupé à cause de situation difficile payant après qu'on ait journée jeudi. En côté déclaration, Nélus Nérius, qui était dans le micro, à Zani Oximable Saint-Fleur. Protocole 17 octobre. Depuis des temps, nous engageons dans une bataille, dans une lutte, côté que nous avons cherché un dénouement rationnel à la crise haïtienne. Certainement, je dis à préoccupation chaque citoyen, citoyenne, c'est joindre en meilleure façon pour nous sortir dans cette nuit-là. C'est vrai, nous étions toujours nous-mêmes en tant que protocole-là, CARICOM, comme un acteur international. Nous voulions gagner d'autres acteurs nationaux qui jouent rôle à Bit Lavel. Malheureusement, c'est pas ça qui fait. Mais nous-mêmes, nous avons pile inquiétude, nous avons pile réserve par rapport avec conseil CARICOM. Certainement, il y a des gens qui critiquent cette tête-là. Nous mêmes avons question sur cette tête. Quelle que soit la quantité de tête qui gagne, c'est pas ça qui est important. Nous croyons, nous-mêmes, nous plus garder que la fête soit en base qui est un peu clanique. La fête, c'est sur une base qui n'est pas inclusif. C'est plus son bagage qui paraît avec un peu d'exclusion. Écoutez, quand on prend l'accord 21 décembre, par exemple, pour nous, qui gagne deux mondes là-dedans. Parce que M. Laurent Saint-Cy, du secteur privé des affaires, c'est ACTA qui baille. ACTA, c'est l'accord 21 décembre qui baille. Et je dis, on joue une autre personnalité politique qui sert soit ancien député Garnier ou encore Gilles, par contre, qui est Sap Kembe, ancien sénateur Gilles. Tout ça, c'est des mondes que 21 décembre, qui ont un rapport avec 21 décembre. Et nous connaissons toute bataille qui a fait dans la rue récemment, c'était des mondes qui étaient des griefs contre l'accord 21 décembre. Et nous songeons, même ça, ils ont été signés, il n'y a pas de personne qui voulait respecter le même. Madame Maniga, nous-mêmes, nous pour résolution crise là. Mais, ça qu'a fait là, il n'y a pas tenu compte des forces émergentes dans la politique haïtienne là. Pour nous, c'est même acteur. Et écoute, je dis à ces pays à côté de là, certainement, il y a des gens qui sont responsables dans ces pays là. Et si ça n'a pas été résolu, nous ne pouvons pas même nous capables de chercher pour nous, à chercher des solutions. Et nous pouvons faire tenu compte de toute force qui est dans la vie nationale là pour nous capables de trouver une solution viable à la crise. Pas seulement Ariel Henry qui t'a fait ça t'es mal dans le pays pendant 32 mois, non? Et pas seulement Ariel. Ariel pas t'a fait mal pour contre lui. Là, il a surmonté gang contre population, crasé Kafou Fey, fait canal, fait un bas mon cabrite, bas si bonite, etc. C'est pas seulement Ariel. Mais qu'on y a comment des mondes qui t'essaient des barons, véritables barons, bon côté Ariel Henry, je dis à eux même pour monde sans honte, sans jeune, qui étaient d'accord pour yo chita avec eux, pour chercher des solutions. Là, nous-mêmes, nous pour attendre, nous voulons que Timoun soit capable de retourner à l'école. Nous pour Madame Sarah soit capable de retourner dans le marché quoi des boussales, marché Iva, Nataba, quoi des bouquets, etc. Cependant, nous pas dans la démagogie. Faut nous d'accord, il y a des gens qui ne sont pas capables de composer avec eux. Et ça, ça fait là. Si c'est qu'on s'en fait, ça fait à toute contrainte, ça veut dire que tout gain opposition en face, si on n'a pas tenu compte de toute force, nous-mêmes au niveau